Est-ce que vous êtes autant excité que moi à démarrer cette année 2023 et est-ce que vous avez déjà posé vos objectifs? Alors, si vous vous sentez paniqué et même un petit peu dépassé, c'est totalement normal. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. En fait, j'ai creusé profondément dans mes chiffres. J'ai analysé ce que j'ai fait, ce qui allait, ce qui n'allait pas. J'ai parlé avec des amis business. J'ai fait pas mal de recherches. J'ai refait aussi des analyses de marché. Et voilà ce qu'il en ressort sur les trois essentiels à mettre en place en 2023. Vous êtes prêts? C'est parti! Bienvenue dans cette vidéo, si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Virginie Levrault, je suis coach business spécialisée en web marketing et en acquisition client. J'accompagne les femmes entrepreneurs à développer leur activité, passer au niveau supérieur et surtout avoir des revenus en continu. Chaque mois sur cette chaîne, vous retrouvez des conseils en marketing, en vente et en entrepreneuriat digital. Si vous ne voulez rien rater, on s'abonne, on active les notifications. Et désolée pour la qualité de cette vidéo, mais encore une fois, je suis nomade digitale, donc forcément je n'ai pas un grand setup YouTube avec moi et donc il n'est pas forcément évident. Là, vous voyez, je suis dans un collé au mur, collé là à un autre meuble pour pouvoir avoir la meilleure qualité image. Retournons donc à la vidéo et voyons ensemble les trois points cruciaux à mettre en place dans son activité pour tout déchirer en 2023. Premier point, eh bien, je vais aller droit au but. Il est temps d'arrêter de faire des offres à bas prix. Quand j'ai démarré ma première activité, ma première entreprise en 2015, eh bien, comme tout le monde, j'ai mis des prix au plus bas pour être sûr d'avoir des clients. Je faisais des sites web pour 600 euros et au final, ben, croyez-moi, j'avais pas plus de clients que si je faisais des prix réels et en plus, eh bien, je m'épuisais à la tâche. Alors oui, depuis, il y a eu du chemin, mais j'aurais bien voulu que quelqu'un me botte un petit peu les fesses dès le début, donc arrêtez si vous démarrez, ne faites pas des offres à bas prix. Faites des offres avec une vraie valeur, un prix en tout cas qui est la valeur de ce que vous proposez. Au-delà d'être rémunéré à la juste valeur de votre travail, ça va vous permettre d'investir tout de suite dans votre entreprise. En plus, en mettant votre offre à bas prix, c'est-à-dire qui n'est pas à juste valeur, eh bien c'est un peu comme si vous envoyez le message à la personne que c'est pas vraiment de qualité ce que vous proposez. Donc vous allez finir par croire que cette offre ne fonctionne pas et vous allez être en permanent en train de créer de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses encore à bas prix. Donc vous allez avoir une multitude d'offres sans forcément de suite logique et de complémentarité entre elles. Personne ne va comprendre où est-ce que vous allez, ça va pas vraiment être clair. Et finalement, ben, vu que la valeur n'y est pas, personne ne va reconnaître la valeur de ce que vous proposez. Et ne pensez pas que les gens achètent quand c'est moins cher seulement. C'est faux. Les gens achètent un résultat. Les gens achètent une solution à leur problématique. Mais en aucun cas un prix. Et ceux qui le font, attention, ce sont généralement des drapeaux rouges. Vous n'avez pas vraiment envie de travailler avec des personnes qui courent après du gratuit. Je vous parle même pas de s'épuiser à la tâche. Faites le calcul pour gagner 10 000 euros. On s'en fiche que ce soit par mois, par trimestre, etc. 10 000 euros, et vous vendez un produit à 1 000 euros. Il vous faut 10 clients. 10 clients, c'est déjà bien à trouver, surtout quand on démarre. Par contre, si cette offre à 1 000 euros, finalement, elle ne vaut plus que 500, ça vous fait 20 clients. Et je vous laisse faire le calcul, plus vous allez baisser votre prix. Donc vous allez vous épuiser, plus vous avez de clients, moins ce sera qualitatif parce que vous allez être surchargé. Donc, vous n'allez pas être rémunéré à votre juste valeur, vous allez vous épuiser, les clients que vous allez attirer ne sont pas forcément des bons clients, comme vous aurez trop de clients, vous allez être complètement surchargé et vous n'allez même pas délivrer de qualité. Alors, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une raison supplémentaire pour pouvoir mettre vos offres au juste prix? Donc cette année 2023, on arrête cette bêtise de mettre un prix bas en croyant que ça va se vendre plus. Deuxième point, nettoyez votre énergie et présentez-vous comme vous l'entendez vous. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression qu'on parle de choses très spirituelles, je m'explique. Dites-vous ceci, 2023 c'est votre année et c'est cette année-là que vous créez de l'impact. Dites-le vous à vous-même et croyez-le. Quelle que soit votre définition du succès, posez vos objectifs et croyez-y. Si vous voulez gagner plus d'argent, faites en sorte de mettre des objectifs, mettre en sorte des actions pour pouvoir atteindre cet objectif. Et dites-le. Vous voulez gagner plus d'argent, vous le dites. Vous voulez plutôt avoir plus de temps, vous le dites. Croyez en ce que vous dites. Faites ce que vous dites. Vous pouvez avoir n'importe quel type d'entreprise. Si vous ne croyez pas à l'atteinte de vos objectifs et en ce que vous faites au quotidien, ça ne fonctionnera pas. Lorsque vous êtes enthousiaste de vos offres, lorsque vous êtes enthousiaste de ce que vous faites au quotidien, de ce que vous proposez, de la manière dont vous accompagnez les gens avec qui vous travaillez, ça se ressent, cette énergie se ressent et c'est ce qui va attirer les personnes. On n'oublie pas les trois points de différenciation. Votre offre, qui pourrait être quelque chose d'unique, votre méthodologie et vous-même. Vous êtes un des points de différenciation par rapport à votre concurrent. Vous pourriez avoir deux personnes qui proposent la même chose et avoir envie d'aller vers une personne plus qu'une autre parce que le feeling, parce que cette énergie. Ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas une bonne énergie, ça veut dire que celle-ci a l'énergie qui vous correspond.
Donc montrez votre énergie au reste du monde. Montrez cette énergie à des clients potentiels. Et j'ai bien dit énergie, j'ai pas parlé de dynamique. Si vous êtes quelqu'un de plutôt doux, à l'écoute, ça va aussi. Bien sûr, vous allez attirer des personnes qui ont besoin de ça. Mettre son énergie à l'honneur, nettoyer son énergie, être ce qui on est, ne veut absolument pas dire être super dynamique et foufou. Si vous l'êtes, super, soyez vous-même. Si vous ne l'êtes pas, super, soyez vous-même. Donc demandez-vous quel genre de personne vous êtes et quel genre de personne vous avez envie de véhiculer. Et faites-le. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires comment vous êtes, comment est votre énergie. Troisième point, je vais me faire plein d'ennemis d'ailleurs. Mettez-moi dans les commentaires si ce troisième point vous plaît ou non. Apparaître en vidéo constamment. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Mon Dieu ! 2023, il n'y a pas beaucoup de moyens de contourner ça. Oui, bien sûr, on peut faire de la vidéo sans montrer son visage. Pas de souci, mais de temps en temps, il va quand même falloir montrer sa face. Et je parle bien sûr si vous avez une marque personnelle, si vous êtes l'entité de votre entreprise. Et je vous incite pas non plus seulement à faire des vidéos face caméra où vous êtes en train de parler comme là je suis en train de le faire. Mais simplement, on a besoin de voir quelle personne se trouve derrière cette entreprise. Donc un peu comme avant, le conseil était de montrer de temps en temps son visage en photo. Et bien maintenant que la vidéo est à l'honneur sur la totalité des plateformes de réseaux sociaux, et bien au lieu de montrer sa tête en photo, ça va être de montrer sa tête en vidéo. On s'adapte. Sans forcément contrainte, on prend du plaisir à ça et on trouve le moyen qui nous convient à nous. Ne voyez pas ça comme une obligation, quelque chose qui est contraint par les réseaux sociaux aujourd'hui. Dites-vous d'ailleurs que si les réseaux sociaux tendent vers la vidéo, c'est peut-être parce qu'il y a une demande, d'accord ? Dites-vous plutôt que c'est un moyen de créer une connexion, c'est un moyen de montrer qui vous êtes. Et encore une fois, c'est un moyen de connecter, d'avoir une vraie conversation avec votre audience. Même si là, tout de suite, je parle toute seule à ma caméra. On est bien d'accord. Mais vous avez quand même plus l'impression d'être avec moi. Vous savez un petit peu l'énergie que j'ai. Vous allez pouvoir voir aussi la façon que j'ai de m'exprimer. Et si on devait travailler ensemble, vous avez déjà une idée sur la manière dont je procède. Donc c'est non négociable. Vidéo en 2023. Et on se montre. Attention, je ne vous parle pas de faire le show, de danser devant la caméra, d'être une influenceuse, de raconter toute votre vie. Pas du tout, d'accord ? Simplement, montrez-vous tel que vous êtes en vidéo. Rien ne renforce plus la confiance que la vidéo. Partagez votre message, partagez votre lumière. Donnez la chance aux gens de vous connaître. Et de toute façon, vous êtes complètement maître du message que vous délivrez. Si vous cherchez à progresser en 2023 et que vous cherchez justement la fameuse étape qui va vous permettre de passer au niveau supérieur, je vous invite sur mon Instagram pour en discuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner, de mettre les notifications. Tout ça, ça m'encourage à vous faire toujours plus de contenu intéressant. En tout cas, je l'espère. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux. Salut ! Ah, pas mal. Je crève de chaud, mais pas mal.